Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube, puisque nous allons faire une dégustation de produits de chez Euroshop. Mais avant que cela commence, comme vous avez pu le remarquer, il y a des changements sur la chaîne YouTube, notamment au niveau de la bannière et des miniatures vidéo. Alors la bannière, elle a été créée par Fileni, donc Fileni que certains connaissent déjà sur la chaîne. Donc Fileni, elle fait aussi du dessin comme des comics, donc je vous mettrai ça ici. Elle fait également, elle a fait une bannière pour sa chaîne YouTube à elle, que je vais également vous mettre ici. Et elle fait également des dessins qui sont magnifiques, que je vais vous mettre ici et ici. Voilà, donc si vous voulez retrouver le travail de Fileni et si ça vous plaît, vous pouvez retrouver tous les liens en description. Voilà, donc maintenant on va passer à la dégustation et on va commencer avec des petits bonbons apparemment à la pomme et à la cannelle qui sont fourrés. Voilà. Donc on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc le bonbon c'est ça. Ah, on va voir dedans. Donc le bonbon ressemble à ça. Voilà. Et bah c'est plutôt bon. Ensuite, nous avons d'autres bonbons qui sont, eux, à la crème, à la vanille. Voilà, c'est assez original, je trouve. Donc, comme l'autre, ça se présente comme ceci. Et c'est exactement le même que l'autre. Voilà. Alors ce qui est dingue, c'est que ça a vraiment le goût du flan. Ça. Incroyable. Ensuite, nous avons des faux Tic Tac. Eh ouais, des faux Tic Tac qui, eux, sont à l'orange. Donc on va sortir un paquet. Hop. Donc voilà, un paquet qui se présente comme ceci. Et un bonbon qui se présente comme cela. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'un bonbon à l'orange en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Ensuite, on a les mêmes à la menthe. Donc la boîte, elle est comme ça. Et le bonbon, c'est comme l'autre, il est comme ceci. Voilà. Un bonbon à la menthe, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc pour l'instant, ça va, hein, c'est un sans faute, c'est quand même relativement bon. Et là maintenant, on a ça, des Bébéto Assorted Fruit Twist. Donc on va ouvrir, donc ça se présente comme ceci, et on va prendre un morceau, voilà. Ah.
Alors c'est bon, je dirais pas que c'est savoureux parce que ben on sent que c'est chimique, mais c'est plutôt bon. Et celui que j'avais là, ben, il avait le goût de la framboise. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss.